Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Comparé à ce matin, les conditions météo s'améliorent cet après-midi avec le retour des éclaircies sur l'ensemble de la Belgique. C'est vrai que ce matin, la couverture nuageuse était bien compacte avec quelques averses par endroit. Regardez d'ailleurs cette photo ici prise du côté de Liège que Daniel nous a envoyée. C'était donc bien maussade cet après-midi, ça s'améliore. Nous allons regarder ensemble justement ces averses qui sont arrivées dans le courant de la nuit et qui ont traversé une bonne partie du pays. Vous le voyez, c'est lundi matin. À présent, eh bien, elles sont derrière nous et nous allons conserver un ciel, c'est vrai, un petit peu plus nuageux, notamment de l'est vers le sud de la province du Luxembourg. Vous le voyez ailleurs, de belles et larges éclaircies au fur et à mesure de l'après-midi, donc toujours en alternance avec quelques passages nuageux. Côté température, ce sont pile poil des valeurs de saison bien respirables. 22 degrés à Bruxelles, Liège, 21 à Namur, Charleroi, Tournai, 19 à Saint-Hubert ou encore 18 degrés par exemple sur le littoral. Et dans le détail, près de chez vous, sur la province de Luxembourg, il fera 20 degrés du côté de La Roche-en-Ardenne, 20 à l'église, 23 dans la partie sud de la province à Virton, encore 21 degrés à Ouélin et à Bouillon. Pour la suite du programme, c'est un temps calme, un temps sec sur l'ensemble de la Belgique dans le courant de cette nuit, quelques voiles d'altitude purement décoratifs et un mercure qui plonge. Hein, comme le ciel sera dégagé, des pointes à 5 degrés dans l'est, 8 degrés à Liège, Spa Saint-Hubert, 9 à Bruxelles. Demain matin, le soleil sera au rendez-vous, vous voyez, sur une bonne partie nord de la Belgique. Déjà des nuages, notamment de l'est en allant vers la province du Hainaut et un petit peu d'instabilité qui remonte depuis la France, notamment sur la région de Virton, d'Arlon, de Saint-Hubert. Quelques averses, peut-être un coup de tonnerre au fur et à mesure de la après-midi, eh bien, cette instabilité va diminuer, mais toujours un peu plus de nuages du côté de la Wallonie ou sur la province du Hainaut, alors que dans le nord, le soleil sera au rendez-vous. Les températures pour demain après-midi, elles sont en hausse, agréables. Vous le voyez, 22 à 25 degrés sur pratiquement toutes les régions, 19 uniquement à la mer ou encore jusqu'à 24 degrés à Bruxelles et à Liège. La suite du programme, ce sera une très belle journée mercredi. Ensuite, c'est un temps plus lourd et plus instable qui va s'installer. Alors, dans le détail, côté ciel, beaucoup de soleil mercredi, quelques cirrus purement décoratifs. Vous le voyez, 28 degrés côté mercure au meilleur de la journée. Ensuite, c'est vrai, jeudi, vendredi, là, ce sera bien plus lourd et tout cela va tourner aux orages, des averses à caractère orageux à surveiller. Ça pourrait s'annoncer assez costaud. On regarde ensemble les éphémérides. Pour ce lundi 20 juin, en fait, Balthazar, on les embrasse. Et tout de suite, cette affaire conclue. Je vous souhaite une excellente après-midi. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir.